L'accès à des financements adaptés constitue l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs de la filière ananas au Bénin. DEFIA, programme de développement de l'entrepreneuriat dans les filières agricoles, mis en œuvre par l'Agence belge de développement, ENABEL, de 2019 à 2023, a co-construit avec les acteurs une approche innovante de facilitation de l'accès au crédit. Ce dispositif repose sur 6 piliers. Le premier concerne le renforcement des capacités des institutions de microfinance pour adapter leur offre de produits financiers et leurs outils de gestion de crédit ananas. Avec l'appui d'ENABEL, FENACA a bénéficié d'un centre, le centre de promotion de la micro-entreprise, qui est un centre d'expertise dédié au financement des micro-entreprises. Et plus précisément, et avec un focus sur la filière ananas, donc les agri-entrepreneurs de la filière ananas. Cela ne s'est pas arrêté là. Également les moyens qu'il faut pour que ce centre fonctionne comme cela se doit, dont nous avons bénéficié, à savoir tout ce qui est renforcement des capacités techniques des acteurs, tout ce qui est outils d'analyse pour pouvoir instruire techniquement et répondre aux besoins des transformateurs, des producteurs, des commerçants de l'ananas. L'avenir de DEFIA dans la filière ananas nous a soulagés. On a soulagé et a permis à ce que la filière aujourd'hui soit une filière finançable. Il faut avouer que nous avons beaucoup appris avec DID dans le cadre donc, de l'assistance technique. C'est beaucoup donc, d'appui et pas de formation. D'abord de toute la chaîne opérationnelle. C'est également la mise à disposition d'outils d'analyse qui permettent aujourd'hui davantage d'aborder avec beaucoup d'aisance l'étude, la collecte et un certain nombre d'éléments par rapport à l'analyse de risque, tel que c'était au départ. Le deuxième pilier consiste à encadrer les bénéficiaires pour la confection de plans d'affaires et l'éducation financière. Nous avons mis en place des outils de gestion pour les permettre de tenir la petite comptabilité et de maîtriser réellement ce qu'ils font. En plus de ça, nous avons, au niveau toujours des producteurs, mis en place des plans de campagne qui nous a permis de les mettre en relation avec les structures de financement. Et grâce à ces plans de campagne, la majorité des producteurs ont pu avoir des crédits auprès des structures de financement. En plus, nous avons aussi éduqué financièrement ces producteurs. Grâce à la formation d'éducation financière, aujourd'hui, on peut être satisfait pour dire que les producteurs sont à même de choisir le produit financier qu'il leur faut, le produit financier adapté à leur activité. Et grâce à la formation d'éducation financière, ils maîtrisent aujourd'hui comment épargner. Parce que par rapport à l'épargne, en temps, même ceux qui le font, ils le font dans le secteur informel. Mais avec la formation, ils savent aujourd'hui où épargner pour sécuriser leurs fonds. Au niveau des transformateurs, nous avons mis en place aussi une comptabilité analytique pour leur permettre de maîtriser les coûts qui entrent dans la transformation. Aussi, à leur niveau, nous avons fait une éducation financière. La majorité parmi eux n'avaient pas des objectifs financiers. Ils ne savaient pas comment faire des objectifs d'épargne. Aujourd'hui, grâce à la formation d'éducation financière, ils peuvent même élaborer leur budget. Et ils sont aptes à négocier aujourd'hui. Ce n'est pas un mythe. Ils peuvent négocier avec les structures de financement et voir quels sont les produits qui leur sont adaptés. Si même s'ils voient que l'opportunité est partie, il y a même certains qui arrivent à dire « Non, je ne veux pas le crédit, j'attends. » C'est grâce à cette formation-là. Aujourd'hui, on peut être satisfait pour dire que les clusters aujourd'hui sont vraiment outillés pour continuer l'activité même après DEFIA. Le troisième pilier est un dispositif de subvention adossé au crédit. Le financement tripartite a tellement réussi parce que les institutions financières étaient déjà impliquées au départ dans le programme. D'abord, les institutions ENABEL, DEFIA, a renforcé la capacité des institutions financières. Le renforcement de la capacité aussi du FNDA ou la gestion de la subvention adossée sur crédit. Et ce résultat ou bien ce partenariat
a permis à d'autres partenaires de frapper à la porte du FNDA pour les mêmes exercices. Mais pour Enabel, c'était spécifique parce que le volet renforcement de capacité et des acteurs et des bénéficiaires et des institutions financières, ça a porté. Je crois que ce partenariat était quand même un partenariat positif et excellent parce que et ça a permis au FNDA de mieux maîtriser la gestion des crédits adossés aux subventions. Nous avons saisi l'occasion de cet appel à projet de DEFIA pour déposer un projet pour augmenter nos capacités de production et diversifier nos emballages afin de répondre aux attentes de nos clients en matière en problème de quantité et puis de qualité. Et donc, c'est la subvention adossée au crédit qui a pu nous aider à résoudre ces problèmes que nous avions depuis près de 20 ans. Nous étions à un moment où on avait vraiment besoin des ressources pour passer le cap. C'est à ce moment que nous avons rencontré DEFIA. En un premier temps, nous avons bénéficié d'une subvention qui nous a permis de lever les fonds auprès d'une structure de microfinance, notamment à l'idée. Et nous nous sommes appuyés sur ce financement qu'on allait à la banque. Et grâce à ce financement, nous avons pu également lever un fonds auprès de la BOA. Nous voudrions aller sur le marché international, conquérir le marché de la sous-région. Donc, nous avons besoin d'un appui pointu de haut niveau pour nous permettre de voir comment organiser tout cela. Est-ce qu'il faut s'implanter? Est-ce qu'il faut augmenter à nouveau la capacité de production en interne? Comment faire tout ce qui est logistique? Donc, nous avons besoin d'un appui pour vraiment comprendre le monde, comment se déployer à l'international. Un autre pilier important est une ligne de garantie de 573 000 euros qui assure la couverture partielle des risques de crédit des IMF et dont la gestion est confiée à l'Africaine des garanties et du cautionnement. DEFIA a fait juste d'avoir apporté une ligne de garantie dont nous sommes le gestionnaire dans ce paquet d'outils pour soutenir et financer cette filière. Alors je dis DEFIA a vu juste parce que le modèle économique que nous avons apporté en tant qu'institution financière agréée, eh bien, cela a permis de mettre à la disposition des SFD, notamment partenaires au programme, un nouveau mécanisme auquel ils n'étaient pas habitués, qui a permis d'être un levier pour le financement de l'ANASC. Aujourd'hui, avec ce mécanisme, cette ligne de garantie, nous sommes gestionnaires, eh bien, les SFD ont quand même eu cette possibilité de financer des cibles, notamment des producteurs qui n'étaient pas éligibles parce que cette cible n'avait pas les garanties réelles requises. Cette garantie, aujourd'hui, nous l'avons apportée, mise en place à travers un mécanisme co-construit aussi bien par le SFD, la cible, l'AGC, institution gestionnaire, et Enabel. Et nous en sommes arrivés à un modèle qui sert au SFD et qui leur permet de couvrir aujourd'hui les garanties, de couvrir les financements facilement. Nous sommes suffisamment outillés. D'abord, nous avons retrouvé la confiance d'accompagner les acteurs de l'ANA. Aujourd'hui, quand vous prenez la CECAM d'Alada, qui est un bassin de production de l'ANA, notre encours avoisine déjà par rapport à l'ANA, avoisine le milliard. Le milliard, or, par le passé, on avait un encours ferme sur la filière parce qu'il y avait trop de risques. Et ces risques aujourd'hui sont maîtrisés par les encours apportés par DEFIA, par la structure amené par DEFIA pour que la FETECAM puisse beaucoup gagner. Et nous avons gagné en termes de clients, nous avons gagné en termes de financement et nous sommes en train de gagner aussi en termes d'image et de référence par rapport au financement de l'ADA. Le mécanisme de garantie de DEFIA est un mécanisme innovant puisque nous avons connu d'autres types de garanties mais qui n'ont pas toujours eu les effets escomptés. Je parlais tantôt de mécanisme innovant, mécanisme de garantie innovant, parce que
Le processus même pour mettre cette garantie-là en place a été un processus assez inclusif. En termes de défis, il faut faire allusion aux ressources adaptées. Parce que nous avons souvent des ressources de court terme. Et puis, le financement de cette filière, la filière Ananas, avec déjà le cycle de production qui est assez long, déjà au moins de 18 mois. Alors là, il faut vraiment disposer des ressources pour y arriver. Le dispositif de financement de DEFIA est complété par deux autres piliers, à savoir un partenariat avec des banques et fonds d'investissement internationaux et une plateforme de concertation entre institutions de financement et acteurs de la filière. C'est un succès inspirant d'Enabel.